Eh bien bonjour à tous tout le monde, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 4 Remake 2023 et j'ai ouvert la première serrure chez le marchand avec la clé de la serrure voilà cubique. Objet cubique, un objet cubique avec du cuivre long de ses arêtes, il y a des rainures sur chaque face. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré ce trésor là qui était dans la salle là où il y a le vendeur ici dans la salle où il y a le stand de tir. Donc là je suis allé dans la cour pour aller déverrouiller l'autre coffre qui était pour avoir le petit tiroir verrouillé qui est là. Mais quand j'ai traversé le couloir et que je suis allé dans la cour, j'ai vu qu'il y avait des ennemis, donc je me suis dit bon, ça fait du gameplay, donc on reprend le gameplay à partir d'ici. C'est parti, let's go. On va aller chercher ce tiroir. Et après, il y en aura un autre tiroir à prendre parce que là, j'ai une petite clé. Donc, on va chercher le tiroir maintenant. Et on va en profiter pour allumer. On va en profiter pour ouvrir les serrures. Voilà, cubiques. Tiroir verrouillé là. Et boîte là, il y a une boîte carrée encore. Donc, il y a un vendeur juste à côté. Donc, c'est très bon. Et là c'est là, moi je veux ce tiroir là d'abord plutôt que l'autre. Sachant qu'il faudra revenir aller avec Ashley. Ouais. Du coup, est-ce que c'est pas mieux que j'aille directement tout droit et que je prenne le tiroir, que je prenne celui-ci. Mais du coup, si je prends ce tiroir d'abord, bah autant que je passe pas par là. Autant que je passe pas par la cour. Bah oui, clairement. Donc bah écoutez, petite vidéo, hein, commencement, voilà, petit loupage. De toute façon, faudra qu'on retourne avec Ashley. Et je pense que quand on retournera avec Ashley, à ce moment-là, on aura une autre petite clé. Donc, on va passer par là. Toi, tu dégages l'odeur du combat, là. Ok, le vendeur, toujours agréable. Allez, c'est parti. Un petit tour en train, seul tout. Eh ben c'est parti, tout à fait, c'est plaisant, tout à fait agréable. Oui, mais c'est très bien, ce petit tour. Donc alors, ici ça coigne, ça tape, donc ok, donc là, rien. Ah, petite sauvegarde. C'est ce qui est plaisant dans ce jeu toujours. Tiens, c'est bizarre que Léon a ouvert parce qu'on était venu. Pourquoi il a ouvert Léon en fait là, je comprends pas. On était déjà venu ici avec avec Ashley dans les précédents épisodes. Bon bah écoutez, on y va. Hein. Là, tiroir, là, rien. Donc c'est par où? Bah c'est là. Là, placard, rien. Pas de trésor. Là, si je monte l'escalier, ça mène où? Au second étage? Ouais, au second étage, il y aurait la salle. Non, non, clairement, c'est là. Ah, toujours cette. Oh, ouais, carrément. Donc là. Bon, bah, je m'équipe de. Est-ce que ça, je l'ai mis en raccourci? Là j'ai quoi en raccourci? Ça. Ok, bon basse. Ouais, donc je l'ai mis. Ok, je prends. Oh purée! Oh purée, pourtant j'ai esquivé hein.
dégage. Oh purée, lui, franchement, César, c'est lui, ces trucs, ils font mal. Donc, herbe. Non, donc pas d'herbe. Spray. Clair. Voilà, allez. Et bam. Je recharge. C'est une blague splendide. J'ai plus de balles. Ok, j'en ai plus. Donc, bah, fusil. Hein. Oh là 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 là. Oh, comment on peut viser aussi mal, c'est pas possible. C'est quoi ce bruit? Donc c'est parti, petite clé. Allez, à mon petit truc. Une barre d'or, ok, de la merde. Je sentais que ce coffre c'était de la merde. Enfin, ce tiroir, je sentais, c'est pour ça que je voulais aller prendre l'autre. Je sais pas pourquoi je le sentais. Ok, donc comme... Non, dans l'autre sens. Comme ça. Ça me casse la tête là. Voilà ça, allez c'est bon. Statue de justicia. Ok. Putain, pas mal. Donc, on va aller faire un petit tour chez le vendeur. Non, voir le vendeur. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Ah ouais? Bon, on va voir ça. Bienvenue. Donc... sertir. Voilà. Hop. 21 000. Ok, désertir. 1. 2. 3. 19 000. Donc c'est moins bien. Non. Oh là là, comment je me trompe dans les boutons, c'est un truc de fou. Putain, je suis trop fatigué. Putain, ta mère. Putain. Sertir ta race de fils de chien. Qu'est-ce que je voulais voir?
C'est classe le bandeau qu'ils lui ont mis sur les yeux parce que la justice n'a pas d'œil en fait. Ok. La statue d'une déesse tenant la balance de la justice devant elle. Ok. Donc Sertir, c'est ça que je voulais. Moi ce que je voulais voir c'est les bonus de combinaison. Donc voilà, donc c'est mieux, les trois pierres rouges. Parce que je voulais voir si avec les spinels j'achetais le petit comment ça s'appelle ça y a pas de non bah si le petit rubis jaune c'est quoi c'est rubis voilà rubis saphir et le jaune je sais pas c'est diamant jaune voilà. Bienvenue. Donc, allez c'est parti. Non. J'ai plein de vendre, choses intéressantes vendre, à vendre. Vendre. Donc barre d'or voilà. Merci. Une Hop. Affaire bien conclue. Hop. Donc, il y a une machine à écrire à côté, donc je veux voir. Parce que il me semblait que dans ma mallette, j'avais quelque chose qui me permette de vendre les choses plus chères. Voilà, prix de revente des munitions, plus 40%. Vie restaurée par les vipères, plus 40. Vie restaurée par les œufs, plus 100. Donc moi j'ai mis quoi? J'ai mis les deux munitions de fusil. Mitraillette 20. Ah là je peux avoir aussi 35% si je mets ces deux là. Là fusil à pompe 15%. Mine adhésif 30. Donc il y aura certainement fusil à pompe 20. Donc prix de revente des munitions. Plus 40%. Quelles munitions je pourrais vendre? Ouais rien. Rien. Donc non, pas de sauvegarde. Donc Bien alors, qu'est-ce que modifier. Je peux faire pour toi? Donc réparer. Et c'est différent. Réparer. Putain, d'accord. Ça coûte cher hein, le gilet pare-balles. Ouh, ils ont pas rigolé du tout. Hein. Donc bon bah c'est parti. On voilà. a effectué toutes les améliorations standards pour cette arme. Maintenant, si tu veux aller plus loin. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc soit utiliser un ticket, soit utiliser des pesetas. Donc moi j'utilise pas de ticket pour cette arme. Non, non, non. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences. De 40, tu tires deux cartouches. Ça fait comme des dégâts comme le fusil à pompe. Donc vous voyez, ça fait 5,40. Donc là c'est combien? 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Donc 4,80. Ça fait quasiment 5, c'est comme le... Voilà, voilà, ça fait ça. J'ai plein de reviens quand tu Donc veux, ça fait très très mal. Donc alors, voilà que je me rappelle. Ok, oh ici il y a des spécestas, bah c'est parti on y va. Ah putain c'est bien foutu. Hein. C'est quoi ça? Oh là là, il y a quelque chose là. Ah le carreau? Et comment je fais pour le récupérer? Ah non, me dites pas que je fais le tour, hein, j'avais déjà ouvert la porte, ok. Ok, donc quand j'ai tiré le carreau, il a atterri juste ici. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de voir, donc je vais reprendre cette arme. Voilà. Moi, ça m'intéresse de voir le carreau. Il peut aller jusqu'où? Allez, je tire sur le... Je tire ici. Ok. Ok, donc ça tabasse... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais savoir. Maintenant, je le sais. Donc, je vais pouvoir faire les choses en conséquence. Donc je me remets sur le pistolet, je recharge, voilà. Alors, pesetas. Comment ça se fait qu'il y a des pesetas derrière cette porte? Ah oui, parce que, ok, elle avait passé les portes. Ok, donc là, faut retourner ici et faut retourner. Là, j'ai plus rien d'autre à prendre. Et ben, le château il est loin. Oh, le château il est loin. Il est quand même. Ils ont quand même rajouté beaucoup de contenu, beaucoup de choses nouvelles. Donc, c'est vraiment très long. Donc, hop, c'est parti à droite. On va prendre le petit wagon. D'ailleurs ici, pas de trésor, pas de choses à prendre. On sauvegarde parce qu'on sait jamais.
Allez, c'est parti. Ah, purée. Donc, par là. Ok, boum. Toi, tu dégages l'eau de bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. Avec les pesetas, je prends quoi? Un ticket? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Mais je sais pas s'il aura plusieurs tickets au fur et à mesure ou c'est que s'il n'en aura qu'un seul. Pas que tu le saches. Je sais pas. S'il en aura plusieurs ou s'il n'en aura pas plusieurs. Un pointeur laser facilitant l'acquisition des cibles. Il peut équiper le SG-09R, le Pinscher et le Sentinel-9. Ah ouais, pas le Black Tile. Ok. Est-ce que je peux... Comme tu Allez. Voudras, étranger. Bouge. Ok, alors ce médaillon bleu, comment l'avoir? Je sais pas. Grande question, grande énigme. Que je peux retourner Mais ce médaillon, on pourra l'avoir dehors? Ah franchement, je crois pas hein. Bah, de toute façon, je vais attendre parce que je sais pas. Donc je sais que dans cette pièce, je peux pas l'avoir. Donc allez, c'est parti. Là il va y en avoir du il va falloir fouiller là. Je cherche une âme courageuse capable de nous débarrasser de ce chevalier monstrueux. Mais attention, il est beaucoup plus fort que les autres. Il a vaincu les meilleurs d'entre nous d'un seul coup d'épée. Requête, éliminer la menace. Zone, mausolée, récompense panel, x8. Progression. Ah ouais, ça c'est du bon ça. Ah, ce panel x8, oh là là, putain. C'est du très très lourd. Hein. Donc... Là, je pourrais aller là, mais non, parce qu'il faut que je fasse la zone de la bibliothèque. Ah, donc c'est là, voilà, et que j'aille jusqu'au bout. Donc, on va tout faire. C'est parti. Attendez, je comprends pas là. Ok, de toute façon, je pouvais pas passer par là. Bah, c'est quoi qui me dit? Attendez, c'était l'ascenseur, ça? Non, ça c'était quoi? Ah ouais, voilà, c'est par là, ok. Donc non. Voilà, très bien. Donc là, faut pas que je loupe des trucs. Clairement, faut pas louper là. Parce que là, putain, se retaper tout ça là, ça mettrait le sub, comme il faut.
j'ai pas vu combien de pesetas ça m'a donné. Donc clairement faut que j'aille ici. Je vais d'abord là, j'affronte l'armure, comme ça on en finit. Et après je remonte et on fera le reste. De la bibliothèque. Donc là. Est-ce qu'il y a des choses à prendre? Ouais, ouais. Poudre noire, très bien. Ah, très bien. Et là, quelque chose de supplémentaire. Ah, c'est quoi ça? Ah non, on pourrait le prendre pour le vendre, ça. Hein. Ouais. J'ai cru entendre un petit rat. Petit ratoun. Je sais pas, j'ai cru entendre un ratoun. Je me suis dit peut-être il est dans l'ascenseur. Parce que je sais qu'il y a un ratoun dans la bibliothèque. Ok. Ouais, un plan. Ok. Donc là on est dans le fond du fin là. Donc on peut pas utiliser les fils, les câbles. Ok. Ouais. Ok le bordel. Je pourrais pas recréer de munitions de ça. Et j'ai 7 mines adhésives explosives. Mais je crois que les explosions ça leur fait rien. Bon, je vais tenter. J'ai mis mon ouvre-boîte. Une, je tente une. Oh là là, j'ai tiré à côté, qu'est-ce que ça saoule! En plus, je peux pas la reprendre. Ah ouais? Putain, mais regardez! Ah, franchement, relou! Ok, j'ai usé toutes les cartouches pour rien. Oh, oh non mais là, franchement j'ai fait n'importe quoi. Je voulais tenter. Maintenant je sais. Parce que c'est pas ce que je voulais faire au début. Purée! Non mais toi? Toi? C'est quoi?
putain! Oh 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 putain! Et c'est là qui se rapproche! Putain, c'est là qui se rapproche! C'est là qui se rapproche! C'est là qui se rapproche! Putain, c'est là qui se rapproche! 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 Putain! Putain! C'est un truc de fou! C'est un truc de fou ces attaques! Bon, écoute, putain, lui, il me fait chier, mais un putain de truc de ouf! Je peux passer? Non, je peux pas. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai à récupérer dans cette pièce-là? Parce que moi, j'aurais utilisé les grenades dès le début. Plus grenade aveuglante et basta. J'ai voulu tenter. Tu veux tenter? Vas-y hein. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je me recharge pas. Ah ouais, mais il y a peut-être des vases à casser. Voilà. Putain, j'allais partir sans ça, putain. Oh, fatigue, putain. Allez, on tire la patte. Hein. Tire la babadounette. Hein. Allez. Oh là là, comment ça, déjà trop longtemps, ça a duré trop longtemps, c'est un truc de fou juste pour ça. Vous êtes arrivé. Ok, très bien, on est arrivé, donc alors. Allez. C'est où que je dois aller? Moi je veux voir, s'il y a le... Ah, il est là! Putain, c'est ça! Yes. Eh ben voilà, c'est ça que je cherchais justement. Je voulais voir s'il était là le ratourne. Il était là, pourtant quand je suis passé il était pas. Putain. Je sais pas quel tour il a fait. Ratoun l'enchanteur, lui. Peut disparaître, apparaître à volonté. C'est pas normal, ça d'ailleurs. Ah, elle s'apprête à faire un smash de tennis. Et bam! Ça, ça sentait l'histoire cramoisie. Ok, je peux passer en dessous ici. Mais purée, qu'est-ce que tu fais? Mais allez!
toi, tu... Écoute, tu restes où t'es. Tu restes où t'es, et comme ça... Je suis Keblo, ça me fait parler comme ça, tellement je suis Keblo. Donc alors... Non. Donc ici, faut que j'y aille pour couloir carré. Mais j'ai plein d'endroits où aller. Pour voir s'il n'y a pas des choses sur les étagères. Ça c'est quoi ça? Ah bah ouais, là, voilà déjà. Ah non. J'ai pas usé une balle quand même. Ça mène où ça? Ah bah oui, faut que j'y aille. Allez, on y va. C'est parti, putain. On peut y aller? Non, pas. Donc dans cette pièce, ok. Machine à écrire, donc sauvegarde. Est-ce que vous vous rendez compte de la durée de vie du jeu là? Elle est 100 fois plus... Elle est 100 fois plus longue. Lynx doré. On va s'assurer à pouvoir mettre des renfoncements là. Oh oui, grenade lourde, quel plaisir. Là, tout est pris. Tout est pris. À part s'il y a des vases ou des trucs comme ça, mais sinon... Ok, donc alors... Donc là on peut y aller. Donc on peut que retourner par ici, c'est ça? Ok, c'est ça. Oh, allez, on fait pas semblant d'avoir des problèmes là. Oh là. C'est quoi ça? Donc, alors, ouh! Je sens que cette bibliothèque, ça va y aller là. Ok, là je suis passé par là. Tout à l'heure, je pouvais avoir 14 balles dans mon Matilda, pourquoi je peux pas là? Voilà, j'ai fait tout le tour de cette allée. Donc maintenant, je fais tout le tour de celle-là. Maintenant, tout le tour de ça. On va jusqu'au bout. Là, là, là maintenant. Ce côté-là. Voilà, donc non, il n'y a rien. Ce côté-là. Ce côté-là. En tout cas, c'est bien, j'ai eu les 3 ratounes. Bah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il s'achète là-dessous? Ouais, c'est un larbure qui va se réveiller au dernier moment, hein, pas question. Ah non. Ça suffit là. Les armures. Ah non, mais là, c'est bon. Ces armures, c'est vraiment de la camelote.
plus, je le sens pas bien. Voilà. Sans pesetas c'est tout, mais ça sert à quoi que je mette une manette plus de pesetas là? Ouais, voilà, c'est là. Utiliser. Bah, il est où? Attendez. Allez. Oh putain. Non mais moi faut pas me proposer des choses comme ça quand je suis. Mais quand je suis dans cet état là les mecs, putain. Oh. Fusil d'assaut. CQB brr. CQB brr. Putain de merde. Mais moi je dépose direct le TMP, je prends ça directement. Mais putain. Mais c'est putain, mais c'est le meilleur trésor du jeu ça. Sérieux. Le Red 9 encore, bon. Quand j'ai trouvé le Red 9 sur le lac, c'était pas mal. Franchement, je trouve que c'était bien pensé de pas forcément mettre le Red 9 de la même manière que vous le trouvez, de la même manière que... Non mais là, attendez. C'est censé être quoi ça? C'est censé être quoi? C'est censé être quoi? Ah, fusil d'assaut. Ah. Donc ça remplacerait... Un fusil entièrement automatique, la longueur optimale du canon permet d'équilibrer la puissance et le poids pour des tirs précis. Oui, mais ça remplacerait le Stingray ou ça remplacerait le TMP? Parce que là c'est un fusil d'assaut, c'est pas une mitraillette. Élément? Ah, je pourrais ajouter... Lunettes d'assaut? Donc ok, donc ça remplace le Stingray. Il fait combien de dégâts? Dégâts x3 contre les points faibles. Pouvoir perforant. Compatible avec diverses lunettes. Puissance 2. Capacité 20. Chargement 85, 250. Précision. 2, 20, 85, 255. Ah bah non, clairement. Ah non, clairement. Donc pour l'instant je reste sur ça parce que il est plus puissant, mais je vais remplacer. Je vais le remplacer directement. Non mais je veux mettre la lunette, putain. Putain, je suis défoncé. Comment voulez-vous faire les trucs dans de... Putain, comment voulez-vous faire les épisodes dans des moments comme ça? Putain de merde. Merde, connard, putain. C'est pas des armoires que je vois, vous rendez compte? C'est pas des armoires que je vois là, c'est des lits. C'est des lits, et des pas des vreux, hein, non, des lits, les lits normales. Bon alors, c'est bon, j'ai tout pris là. Bon, j'ai tout pris, ok, donc on va se casser d'ici là, parce que ça commence à me saouler là. Bon, là, c'était une arnaque. Je disais, ouais, ça va être un raccourci, ça va être top et tout, génial. En plus, Léon, il met le seum à marcher comme ça, hein, franchement. Donc là j'ai tout pris, j'ai tout fait. Ok, tout est bon, tout est bien. Qui finit largement trop bien. Ok, c'est bon. Et là c'était quoi? L'ascenseur, je peux le prendre? Non, je peux pas. C'est de la merde. Putain de merde. Tu peux rien prendre ici, hein. Tout est muré, tout est encloîtré. Tout est fermé, vous avez besoin de clés.
Pourquoi tu regardes par là, toi? Y'a quoi ici? Ah bah y'a une sortie, ah bah oui. Ah bah merci, hein, tu m'as montré la sortie. Alors là c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Oui, bah oui, parce que je me rappelle qu'il y avait l'échelle. Hop. Est-ce qu'on peut actionner le levier? Non. Donc, raccourcit. Fais tomber l'échelle, on t'a dit. Et bam. Waouh. Waouh. Donc moi écoutez, je vais retourner dans cette pièce vite fait. Parce qu'il faut que je voie. Faut que je voie. Vous voyez de quoi je veux voir? Parce que là le médaillon bleu, c'est pas normal. Bon bah il est définitivement à l'extérieur. Putain! Oui, il est à l'extérieur. Ils nous vont faire tous des tours, ils nous font ressortir, ils nous font re-rentrer. Ah mais Léon, putain, Léon il en peut plus. Hein. Putain, il voit un mur, il s'appuie dessus, il se repose. Hein. Donc, alors. Allez, c'est parti, vendeur, on va vendre. Et puis après, on s'arrêtera là, hein. L'épisode il est court, mais là... Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit très. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Ah bah, gilet. Écoute, c'est du bon travail, si je peux me permettre. Alors. Multiplier la puissance par 1,5. Ok, et le stingray? Multiplier la cadence de tir par 2. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. 4-10. Ben, c'est clair que au niveau de la puissance... Parce que là... Là, je suis à 4-10 alors que j'ai juste 3 barres. Je comprends pas. Ce fusil, il remplace quoi? Putain. Ah non mais franchement Donc j'ai combien de balles? Il me reste 5 balles de fusil. Donc ça utilise des balles de fusil. Donc c'est pour remplacer le stingray. Bienvenue. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus beau? Mais ça n'ira pas jusqu'à 4-10 là. Là vous voyez, 4-10 ça passe à 4-50, donc ça fait 0,40 de plus. Et là 2-2,30 ça fait que 0,30. Ah c'est peut-être l'amélioration spéciale qui compte vraiment. Multiplier la puissance par 0,5, par 1,5. Ce qui fait qu'il serait meilleur que le Stingray. Mais putain, le Stingray, je l'améliorais quoi. Bon. J'ai plein. Il faut vendre. Allez, ça, sertir. Ok. Ah, il en faut une carrée. Oh. Ah, 35 100. Bah putain. Alors 35 100. Ah, 40 300. Ah bah oui.
40 800. Une statuette de félin faite d'or et d'ardoise noire. Il y a deux renfoncements au niveau des yeux et un troisième dans le cou. On peut y insérer des pierres précieuses. Ok. Donc est-ce que j'utilise mes deux diamants jaunes pour ça? Ah, et si je mets un diamant bleu? 40 300 et rouge. Ah non, c'est clair, c'est ça qui marche le mieux. Hein. 40 800, ok. Oh non. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Trente et un mille au lieu de 40 000. Ça fait que si je trouve une super couronne ou un super truc ou un super machin où je peux en réinsérer des diamants jaunes et que là ça va vraiment monter vraiment le prix vraiment très très cher. C'est peut-être mieux, hein. Ouais, allez, en plus ça fait vert rouge bleu. Ouais mais c'est pas pareil, putain, c'est pas pareil. Bienvenue. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Est-ce que je peux te faire... Ah non, ça vaut pas le coup de mettre 39 000. Si je mets deux bleus. Ah ouais. Bon ben ça, voilà ça, c'est pas mal ça. Bienvenue. J'ai trouvé l'équilibre entre les deux, ça fait plaisir. Merci. Faudra m'expliquer pourquoi il est si content que ça. Parce que là franchement. Non mais. Alors du coup le fusil, il est mieux ou il est moins bien, il est mieux, il est. C'est quoi le truc? J'achète tout et n'importe quoi. Bon, j'ai 55 spinel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense acheter cette lunette. Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. Ah, purée, je sais pas quoi faire. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Mais j'ai l'impression que cette arme sera plus puissante. De toute façon, je m'en fous, je vais au pistolet. Donc, l'arme, je m'en fous, surtout. En fait. Je vais juste la garder sur moi, parce qu'il y a des munitions dedans. Et une fois qu'il y a zéro, je la renvoie au coffre. Bah oui. Bah oui. Bon alors. Bon côté tout le monde, on s'arrête là. Je dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.